What's up people, et on est parti pour la présentation du nouveau mode qui a été créé par Datko et Alaric. Donc nouveau mode qui va en fait tout simplement redonner vie à votre base, donc sous le thème d'Halloween. Donc là on voit que la plupart des décos ont changé, la map autour également, et voilà quelques plateformes autour des modes de jeu. Donc si on voit par exemple en Mesa, on a donc les maps qui ont changé également. Pareil la map où on se prépare au départ. Idem au niveau des canyons, on a également les maps qui ont changé. Donc pareil, là j'ai pas de base pour vous montrer par contre. Au niveau du royaume perdu, pareil, tout a changé. Même le fond, toutes les couleurs ont... de toute façon c'est le même thème partout, un peu marron, un peu color automne on va dire. Là pendant les combats, ça a également changé il me semble. Voilà, donc là on a une toute nouvelle map. Donc chaque parcelle du jeu ont été modifiées au thème d'Halloween. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je vais vous laisser découvrir ce nouveau mode donc, qui a été créé par Datko et Alaric. Donc nouveau mode, de toute façon, forcément gratuit, qui est pour vous, qui est destiné à plonger votre village dans le thème d'Halloween. Donc voilà, il est disponible en téléchargement juste en bas dans la description, donc je mets 4 liens. Donc ces 4 liens en fait, ce sont les mêmes, ces 4 liens pour télécharger au cas où il y en ait un qui soit mort entre temps. Donc il y en a 4 pour télécharger, ça fait environ 140 mégas. Par contre, donc il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que il va falloir déjà désinstaller votre version de Castle Clash actuelle. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que toutes vos bases vont être perdues, également vos formations, forcément quand vous réinstallez le jeu. Donc l'idée pour les bases, c'est de faire donc sur les 4 flèches, sauvegarder dans le cloud, et une fois que vous aurez téléchargé la version d'Halloween, vous faites restaurer, et vous faites, voilà, tout simplement, et ça remet vos bases d'origine. Donc c'est les deux choses à savoir pour que ça vous surprenne pas, voilà. Donc c'est disponible en téléchargement dans la description. Donc voilà, je vous laisse découvrir et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles petites nouveautés. Allez, salut.